Les manifestants ont d'ores et déjà rendu leur verdict sur ces discussions. À l'intérieur, divers groupes d'action ont tenu ce qu'ils appellent la session plénière de clôture des peuples. Ils sont en colère et frustrés. En fait, les négociations se poursuivent toujours, même si quelques heures plus tôt, la présidence chilienne a suggéré qu'une conclusion était proche, avec ou sans accord. En fin de compte, il y avait un dénominateur commun. La vaste majorité des délégations ont demandé un texte plus ambitieux et c'est ce que nous visons. Donc nous en sommes à une série de consultations au plus haut niveau possible afin d'avancer, en gardant toujours à l'esprit que nous devons trouver un équilibre. Il n'y avait pourtant pas beaucoup de signes qui suggéraient que les partis étaient sur la voie d'un rapprochement. Le Brésil fait toujours partie d'un petit nombre de pays qui veulent que des parties clés de l'accord soient diluées. Nous sommes désolés de vous informer que nous ne sommes pas confortables avec le texte de la COP25 en son état. Ce n'est pas seulement le Brésil. ABU et plusieurs autres partenaires ont aussi exprimé leur profond malaise avec cette proposition pour un axe de travail. Une majorité ne suffit pas. L'unanimité est requise. Certaines délégations disent qu'elles ne partiront pas avant de l'avoir obtenue. Pour l'UE, il est impossible de quitter cette conférence des parties sans un message fort sur l'ambition et particulièrement le besoin de mettre à jour les objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre d'ici l'an prochain. C'est quelque chose qu'on attend de nous au dehors et il nous faut entendre leur appel. Donc, le texte de la deuxième réunion des parties de l'accord de Paris doit être renforcé sur cela et le niveau d'ambition doit être supérieur à ce qu'il est maintenant. D'autres disent qu'aucun accord vaudrait mieux qu'un mauvais accord. Quoi qu'il en soit, l'échéance pour la mise en place de l'accord historique de l'ONU de 2015 sur les changements climatiques se rapproche à grands pas.